Et bon matin mes petits Pégato, et c'est 2016 en compagnie de Mister Brioche. Bonsoir. Bonsoir. On fait de la lune, on fait de la lune. J'ai parti en courant. Nous sommes toujours dans le Québec. Oui, sur Trine 2 toujours, avec des gelées roses et des fleurs méchantes. Et là, nous ne savons pas comment passer. Peut-être comme ça. Okay. Je vais avoir droit à une plateforme, non? Non, je pense que tu peux t'accrocher en haut avec la meuf. Ben... Non? Ah, ici. Je m'accroche ici. Ah, attends. Te laisse faire. J'ai l'impression que tu maîtrises. Non, elle fait tu pas. Tu maîtrises pas. Non. Ah, attention, la plante a cassé. Il n'y a rien pour s'attacher là-haut. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Sinon, attendez. Attention, ça pique un peu. C'est vous êtes mon tombé cadavre. Comme une grosse crotte. J'ai vu. C'est trop haut, là. Ressuscité. Ressuscitons. Ouais. Merci. Y a pas un levier qui est apparu ou je sais pas quoi. Ça me rappelle un épisode dans la glace, là. On est resté bloqué comme des idiots à un moment. Oui, parce qu'on n'arrivait pas à se cacher. Mais oui. Peut-être que là, si tu me fais une plateforme avec la boîte, là, je peux monter par contre. Alors, attends. Une bébé plateforme. Je vais essayer de... Non mais... Là, c'est pas mal ça. Ouais. Oh, magnifique. Sur la tête de la T'es parti loin là. J'ai glissé un peu, ouais. Mais je suis à un checkpoint, donc si le tu meurs... Le chemin s'arrête ici. Ah, il n'y a plus de chemin. Mais c'est haut. C'est très haut. Ah bah j'arrive. Magnifique. Ah, comment vais-je m'en aller? Aide-moi, petit arbre. Déploie de longues et puissantes branches pour me laisser passer. Super, on parle aux Isabelle arbres maintenant. Elle a fait pousser l'arbre. Comme par magie. Magicien qui est surpris qu'il y ait de la magie. Bah oui. Les héros avaient découvert qu'Isabelle était la sœur de Rosabelle. Le retour vers la maison de Rosabelle entraîna le trio sur les pentes d'une montagne et à travers les périlleuses forêts hantées. Ils progressaient maintenant plus vite, car la forêt tout entière semblait s'être animée pour les aider à la traverser sain et sauf. Espérant surprendre Rosabelle, ils se dirigèrent vers un balcon surplombant l'arbre pétrifié. Nous sommes dans le chapitre final. Attaquons ce rebelle ! Ah bon ? Oui, c'était marqué en haut. Ah, j'ai pas faute, fais gaffe. Oh, mais c'est joli derrière. C'est joli, mais... C'est Zelda. C'est joli... creepy quand même, hein. Bah, regarde à l'avant, là. Je regardais que le derrière, en fait. Ah bah oui. Moi, je fais que ça, je regardais derrière déjà. Je vois. Oh, un coffre. À toi l'honneur. Il y a plein de plumes. Vous avez trouvé un tableau de collection. Oula, ouais. Elle a pas l'air commode. Je sens que ça va être elle, la boss finale. Ouais, on dirait bien. Si, suis-moi. Parce que dans Trine, il y en avait pas. C'est triste. Elles ont l'air si heureuses ensemble. C'est Attendez. Un tableau. Il y a quelque chose derrière ce tableau. Un renard. Regardez. Bam, 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 bam. Aucun respect pour les tableaux. Ah non. Feuclard. Voilà. On s'attache tout. Tac, tac, tac. Ok, ça suffit. Ok. Ouh. Es-tu prête? Oui. Ah bah d'accord, c'est parti sans moi. J'ai pas laissé le choix, toi tu restes là, moi j'y vais. Très bien. Princesse Isabelle. Vos sauveurs sont là. Réveillez-vous, majesté. Vous nous entendez? Êtes-vous blessée, princesse? Nous allons vous libérer. Les héros hurlaient, mais rien ne pouvait extirper la princesse de son profond sommeil. Elle ne nous entend pas. Elle a l'air inconsciente. Le sort de sommeil enchanté, mais c'est bien sûr... Il est quasiment irréversible. Vous ne devriez pas être là. Ainsi, l'artefact des âmes est lié à vous trois. Je me demande ce qu'il adviendra lorsque vous serez tous morts. Bah, on changera la partie. L'artefact ne vous aidera jamais. Quels que soient vos projets, vous n'arriverez jamais à vos fins. Silence, racaille. Je ne voulais pas que la forêt vole les pouvoirs d'Isabelle. Mais avec votre artefact, je peux rétablir l'ordre dans ces contrées. Je dois d'abord me débarrasser de vous trois. Je vous présente mon petit animal de compagnie. Ah, ça va être un chihuahua ? Non, je pense pas. Ah, ouais. Ah, il a pas l'air commode, le chihuahua, là. Un peu plus petit.
J'aime bien comme elle dit ça au calme. Je vais devoir vous tuer. Oh non. Oui. Mais qu'est-ce pas le dragon? Oui, le dragon. Les boucles d'oreilles. Ah ouais. Mes salutations les plus chaleureuses. Ah, attends, il y a des trucs qu'on peut faire pousser. Ouais, il y a des trucs avec l'eau là-haut. Hein. Je crois que tu peux tirer. Oh! Je me suis fait manger. Aïe. Aïe. C'est pas un truc pour revivre là? Oui, il est en haut. Il est en haut de la plante que je viens de faire pousser. Moi aussi, je suis en train de faire pousser un truc. Je vais le chercher. Ok, c'est bon, je vous ai redonné de la vie. Super, moi j'ai fait pousser une plante aussi. Ok. Ah, et. Ah, il faut la faire repousser à chaque fois. Ah bon? Une fois en haut, on fait quoi? Bah, moi en haut, là, je vais avoir de la vie. Faut peut-être que tu le tapes sur la tête. L'inévitable. Ah, pourquoi les boucles d'oreilles? Bah, elle a parlé des boucles d'oreilles, oui, j'ai pas compris. J'appelle pas ça des oreilles, moi. Ah ah. C'est curieux cette histoire. C'est un dragon végétarien, il essaie de bouffer les plantes. Attends, il va flamber tout mon truc là. Non, monsieur, non. Eh bah bravo. Tu vas aller chercher de la vie? Non, en fait, je pense qu'en montant sur la plante, on peut atteindre les boucles d'oreilles. Ah. Je suis tombé. Ah. Mais cette plante là, elle se détruit. Non, mais même l'autre. Ah ouais, l'autre aussi. Ok, les deux se détruisent. Tu vois, à droite, on voit sa vie là, en mode bizarre. Ouais, bah, je pense qu'il y a des cornes et des boucles d'oreilles à taper. Mais alors après, une fois en haut, franchement, je vois pas bien. Je vais essayer de lui mettre une flèche, je sais pas où. Je tape un peu dans le vent pour voir ce qui se passe. Elle descend vite, la porte. Ah, t'en as une, ouais. Vous avez trahi votre sœur pour devenir reine. Et je serais restée reine si la forêt n'avait pas voulu mes pouvoirs. Tremblez de peur. Attendez ici. Aïe, il m'a mordillé. C'est bon, j'ai eu l'autre. T'as eu la corne. Ah, j'ai eu la corne. Ouais, t'as eu la corne, il y a l'autre boucle d'oreille. Il y a des bébés lézards. Des bébés lézards. Je te laisse t'en occuper. Il y a des trucs qui explosent. Ça, j'aime ça. Putain, j'essaye de taper des trucs, j'y arrive pas. C'est bon. Mais toi, tu fais tout le boulot, quoi. Je sers à rien. Mais pour une fois que je sers à quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas content. Il y a les lézards. Il m'a mangé. Bravo. Je vais essayer de récupérer de la vie. Je pense que s'il nous tue pour vrai, le jeu il est fini. Ah bah, on va éviter de faire ça, hein. Ah, il m'a tué. Oh non. Il faut repasser là-haut. Oui, j'essaie d'y aller le plus vite. Ok, c'est bon. Ok. Vas-y, tape dans la corne là, vas-y là. Oh, il y a des bombes qui sont apparues. Ça va aider ça. Je crois que je l'ai fait manger une bombe. Regarde, il a mangé une bombe. Il a pas aimé? Il faut l'enflammer peut-être. Sa corne elle a explosé. Ok. Bayer. Il ne reste que sa dernière boucle d'oreille. Ok. En fait, il faut attendre qu'elle devienne de feu et ensuite full. L'éclate. D'accord. Ah! T'as fait pas manger? Non, t'inquiète. Il peut me mordre deux fois avant que je meure. J'ai calculé. Oh, je tape dedans, mais j'y arrive pas. Je fais des essais. Lézard. Il me faut. La... C'est bon, tiens. Tu as ressuscité, vas-y. Non. Merde, je pensais que vu que j'étais dessus, ça allait. Attends, il y a les bombes là. Tiens. Mais je la touche, j'ai l'impression que je la touche, mais ça veut pas. Ah, oui, je lui ai fait manger le truc, ok. GG. Oh non, le chihuahua est mort. Il a emmené la meuf. Oh non, quelle tristesse. Isabelle, la princesse endormie, fut libérée des liens qui la retenaient prisonnière. Que se passe-t-il? Suis-je en vie? Rosie! Les héros virent Rosabelle sombrer dans le lac souterrain. Isabelle plongea après l'ombre engloutie de Rosabelle. Peu après, Isabelle revint, sa sœur dans les bras. Merci de m'avoir libérée, héros.
Ravi de vous rencontrer, princesse. Dommage que ce soit dans ces circonstances. Rosie, elle a toujours été très obstinée. Avez-vous besoin de quelque chose? D'une serviette? Je veux juste rentrer chez moi. Hélas, votre château est en ruine. Sans parler des gros problèmes de plomberie. Comment allons-nous sortir d'ici? Les portails ont tous disparu. Au même moment, le train apparut et illumina la caverne de sa lumière dorée. La lumière devint plus chaude et plus intense, enveloppant tout le monde d'un voile invisible de confort et de sécurité. Le tunnel de la caverne disparut. Le train ramena nos héros dans la forêt, où le magicien et le chevalier s'étaient rencontrés au début de leur périple. Nous avons fait notre devoir. Notre royaume est sauvé et les forêts ont retrouvé leur état normal. Comment avons-nous fait? C'est la magie d'Isabelle qui a ensorcelé la forêt. Maintenant qu'elle est libre, l'équilibre est rétabli. Non! J'ai oublié de rapporter de l'eau magique pour les pommes de terre. Tenez, j'en ai rapporté. Zoya! Vous êtes honnête, finalement! Ça vous coûtera 5 pièces d'or. Quoi? Mais vous avez trouvé une couronne! Les trois héros passèrent la nuit à discuter de leur grande aventure. Puis rentrèrent chez eux. Oh, Diane! La princesse et les citrouilles avaient été sauvées. Citrouilles? Et la grande aventure était terminée. Ah bah comme ça, ok, direct. Menu. Voilà, voilà. Ça déconne pas. Bien. On a même pas le droit à un petit générique. Dégage. C'est clair, hein. Je retourne au menu principal, voilà. Bien, bah c'était sympa. Déjà, il y a eu un boss final, contrairement à Train 1. Oui, il donc était sympa. Donc c'est appréciable, même si je n'ai absolument rien foutu. C'est toi qui as tué le boss. Moi, j'ai... Tu lui as donné à manger. Je me suis baladé, j'ai fait diversion. Et on a sauvé les citrouilles, j'ai pas bien compris le délire, mais on a sauvé les citrouilles. Bah je sais pas, il y en a sur l'écran d'accueil. Ouais, on bah... On les a sauvés. Bah c'est bien. Écoute, ouais. J'étais ravi de faire cette aventure avec toi, qui nous a pris environ 6 mois à tourner. Mais parce que je sais pas quand est-ce qu'on a tourné le premier, mais là on est en mai maintenant, je crois que c'était en janvier. Je pense aussi que c'était en janvier. Donc ça fait un petit moment qu'on est dessus, et bah voilà. T'as un petit mot on à dire fini. Ben merci à toi d'avoir accepté de m'accompagner dans cette aventure, on va le dire magnifique, parce qu'il était super joli. Ah, il est beau. Après, j'ai eu des problèmes de son qui ont disparu le dernier jour du tournage, mais bon, pourquoi pas. C'est des choses qui arrivent. Oh, j'ai pas compris le délire, j'ai pas fait de mise à jour ni rien, et boum, y'a plus de son dérangeant. Ils auraient pu faire ça plus tôt, mais bon, c'est pas grave. Et puis, y'a un Train 3 quand même. Yep. Alors là, je sais pas comment on va faire. Alors, je sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Un jour peut-être, avec une troisième dans personne. Bien sûr. Ben voilà. Il faut, comme on avait il faut dit, garder la tradition. Seul, Train 2 à 2, Train 3 à 3, à Train 50 à 50. Waouh. Et puis voilà. Le bordel. Bon, écoute, je t'invite à conclure cette aventure en toute beauté. Alors... Je compte sur vous les gens pour laisser un pouce bleu afin de souligner cette fin de let's play, de vous abonner aux chaînes, c'est important. Et bah écoutez, pourquoi ne pas faire le jeu également de votre côté? C'est un jeu magnifique avec une mécanique qui est super sympathique, donc à voir. Et n'empêche que on l'a bien, enfin on l'a presque fait à 100%, j'ai envie de te dire, parce qu'on a vraiment récupéré le maximum de bulles. Ouais. On a presque tout eu, je pense, donc c'est cool. Ouais, c'est vraiment cool, donc on s'est donné à fond. Oui. Et c'était vraiment cool, donc bah écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine. Mm-hmm. Et on vous fait des gros bisous. Bye bye.